Pour nous, c'est une première en tout cas en tant que musicien. Chaque Tom est venu plusieurs fois en tant que festivalier, il nous en avait dit déjà beaucoup de bien, on en entend beaucoup parler. Et en tant que musicien, c'est juste une expérience incroyable d'être là avec tous ces groupes, ce staff qui nous a vraiment super bien accueillis. L'ambiance est très familiale, on se sent vraiment dans un microcosme à part. Donc vraiment que du bien pour nous cette expérience. Pas grand chose à rajouter, c'est vrai que l'ambiance n'a jamais vraiment changé depuis le tout premier TechFest. C'est vraiment, on a l'impression de revenir à une réunion de famille, c'est assez fou. Et concrètement, ça fait super plaisir en plus d'être sur scène parce qu'il y a une fine limite entre faire partie du public et être sur scène. C'est qu'il y a une bienveillance qui me touche énormément et qui fait en sorte que ce festival, je trouve, ira loin. Et puis voilà. Ce festival, c'est aussi un peu une plateforme où les gens peuvent s'entraider. C'est un moment où même il y a des groupes qui ne sont pas forcément indépendants à 200% financièrement parlant par rapport à leur musique, tout ça, qui sont obligés de travailler à côté. Et des festivals comme ça permettent, hein, au pluriel, de pouvoir vraiment avoir une fenêtre où tu peux te faire vraiment reconnaître à ta juste valeur. Et je trouve que oui, c'est vrai que des festivals comme ça pourraient être le futur pour moi de la musique indé et même de cette scène locale-là. Parce que quand on compare ça à des gros festivals comme le Hellfest et tout ça, c'est vrai qu'on est sur une différente approche même de la musique, une différente approche même des artistes en eux-mêmes. Parce que quand on va au Hellfest, c'est bien sûr le Disneyland, on y va, on s'éclate en tant que festivalier, les artistes c'est une grosse machine, une grosse industrie qui marche et qui marchera, c'est sûr. Mais des festivals comme UK Tech Fest, pour moi c'est vraiment l'essence même de la musique qui est là et je trouve qu'il faut que ce type d'esprit se propage. Vraiment comme il faut quoi. Complètement, non. T'as tout dit pour moi. Super. Well, I have to come from a personal opinion. I think the festival's great. Me personally, it feels kind of like a family thing. Like I've just met so many people, so many musicians that I've been like just looking up to, or you know, kind of other people in the scene who I've just like really respected. So I'm just happy to come here, and I think for me that's what this festival's about. It's like just family, you know, like coming together and meeting just like everybody who's passionate about this kind of music. So. That's my opinion about the festival, that it's just a great festival and it feels like home, you know, sleeping on the ground, it's nice.
think a festival like this gives a lot of opportunities to smaller bands and stuff that wouldn't necessarily be able to tour or wouldn't necessarily be able to find a bigger following, you know? Because I think with this style of music, you know, it's not everybody who's going to be like super interested. You have to really get into it and you have to take time. And I think when you come here, you're given an opportunity to just see so much different stuff and so many people who are working really hard at what they do. And I don't know, yeah, maybe it is a future because it keeps it alive in a way and it gives an outlet to all the musicians here to really show their music. What you choose is all brand new. You know the answer inside you all alone. What will make you throw your brain cards? UK Tech Fest is one of the like a friendliest festival we've been to, and like because it originally started from the UK, we always feel it's like our second home to be back here playing really. I think more people appreciate the technicality and interesting songwriting these days While we feel this is one of the biggest technical and progressive festival in UK, it will be cool to see it growing much bigger in a way, because I think more people appreciate the complexity and uniqueness of the songwriting now than they used to. I think the UK festivals are more open to the new music. They are more interested in discovering new music than Japanese festivals. Like a Japanese festival, they come to see the band they already know, they want to hear songs they know. But in UK, like they will be very open to new music, and if you play well and if your song is good, they will actually appreciate it even if they don't know you. So that's pretty cool. Eh ben écoute, on vient d'arriver, mais nous on connaît ce festival, moi je le connais bien. C'est bien fait, hein ? Oui. eux ils y ont joué et tout, qu'est-ce qu'on pense du festival ? Bah, UK Tech c'est toujours un succès, comme dit l'oncle Benz. C'est sûr que c'est pas genre rigolo, hein. Et donc, on est content d'être là, on est content, on a hâte de jouer là, on joue tout à l'heure, on est content, on va tout casser. On va tout casser, ça va être cool. Moi, j'ai toujours dit. Le UK Tech, alors c'était une expérience particulière parce que la dernière fois qu'on est venu, on a eu plein de galères avec le. Comment ça s'appelle ? Le ferry. Donc, je sais plus, et en fait, on devait arriver normalement vers 17h, on est arrivé 10 minutes avant de jouer. Donc on est arrivé pendant que les crews finissaient. Et donc ça a été une des installs les plus rapides qu'on a eu à faire. Et après en plus on devait repartir le lendemain super tôt. Donc le UK Tech qu'on a vu. De la tournée Headline. Ah United Photograph. Pardon. Et donc à l'UK Tech qu'on a eu, on a vécu le UK Tech à peu près 2h30. Donc là on a plus de temps, on a déjà bu un peu plus de bière que la dernière fois. Donc c'est mieux déjà, je préfère. Mais je me rappelle en plus que cette année-là, moi j'étais venu en tant que Punisher de Betraying the Martyrs. Moi j'étais venu en tant que fan, et voilà. Et maintenant, je joue avec eux. Et voilà. C'est prévu de faire un after movie intelligent donc. Oui. Oui, mais toujours avec Fufux. Tu sais, il est toujours content de nous interviewer nous parce qu'on fait toujours des trucs drôles. Je m'excuse. Voilà.